Bonjour, bienvenue sur mon studio TV pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis avec. Maurice Perrion. Vous représentez la région Pays de la Loire? Tout à fait. Je suis conseiller régional et président de la SEM Croissance Verte. Alors, Croissance Verte, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert? Alors, croissance Verte a été créée par la région Pays de Loire. C'est le bras armé de la région Pays de Loire pour travailler sur la rénovation énergétique en direction des particuliers. Donc, la SEM a été créée il y a à peu près un an. Euh, il y a donc dans, dans cette structure euh, plusieurs actionnaires, la région bien entendu qui est majoritaire, la Banque des Territoires, les cinq départements de la région puis de la Loire et les syndicats d'énergie. Ça permet donc d'avoir une vision globale. Euh, donc des, des, des soucis que, que peuvent avoir les particuliers donc euh, en matière de transition euh, énergétique alors une sem tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est et pourquoi en fait, vous avez décidé ça permet donc oui. de, de, de créer une structure où euh, il y a des actionnaires qui sont dans, dans, cette, dans cette structure et peuvent abonder financièrement justement pour euh, que cette scène cette sem puisse euh, puisse euh, déployer des montants des montants financiers en direction donc des, des particuliers justement pour euh, accompagner leurs projets donc, ce sont plutôt des collectivités qui abondent, c'est ça Tout à fait. La SEM a un budget d'environ 4 millions d'euros, mais euh, ça, c'est les fonds qui sont mis donc par par les différentes structures et la région. Euh, on, on, on travaille avec un, un programme donc, donc euh, qui a été mis en place par l'État qui s'appelle le programme SAR. Euh, donc, le programme SAR, c'est plusieurs millions d'euros, c'est 12 millions d'euros donc euh, qui sont mis sur la table pour pour les trois années à venir. Donc, euh, la région abonde à peu près au, au même niveau. Euh, donc, un travail avec les intercommunalités, c'est pas, c'est pas, c'est c'est un travail de de fond, hein, donc euh, je vous parlais donc des actionnaires, mais c'est aussi un, un travail que l'on fait donc avec les EPCI, hein, donc euh, des intercommunalités qui font qui font à, entre entre 15000 et, et 100 000 habitants, euh, et donc ce sont les collectivités qui lancent donc les programmes et nous venons donc les accompagner. Alors ces programmes, ils viennent euh, des demandes des particuliers ou des demandes des collectivités La collectivité. Lance le projet, mm -hmm. donc euh, lance l'appel d'offres pour euh, pouvoir travailler avec les particuliers de son territoire et la SEM rentre dans le système pour l'accompagnement financier et surtout donc faire euh, les diagnostics, l'état des lieux euh, et donc euh, avoir donc une vision globale euh, des travaux à réaliser et de mobiliser le maximum de, de subventions euh, et puis il reste forcément un reste donc à charge aux particuliers en fonction de ses revenus. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Euh, pourquoi avoir voulu créer une SEM euh, C'est quoi C'est disposer de moyens, ou c'est une vision plus globale La SEM, c'est une structure. C'est une petite entreprise en fait. Mm. C'est ça. Ça permet donc d'avoir des, des ça permet d'avoir des salariés qui, qui sont donc euh, mobilisés pour, pour cette action-là. C'est mm. une petite entreprise. Est-ce que c'est juste un service financier ou est-ce qu'il y a un accompagnement, au service à l'élaboration du projet C'est ça. Donc c'est quelque chose de global. Hein, donc mm. c'est accompagner le particulier dans sa démarche de A à Z. Donc, je disais, le diagnostic. Et une fois qu'on a donc identifié les travaux et qu'on a identifié le, les subventions possibles, on a un système. Donc, on a mis en place une cartographie pour avoir donc l'ensemble des entreprises qui sont déjà labellisées par différentes structures, par la CAPEP par exemple. Ces entreprises donc qui sont euh, RT 2020, qui sont, qui sont donc qualifiées RGE. Donc, euh, ça permet de les identifier dans un rayon qui est à proximité des travaux à réaliser, ça évite. C'est intéressant pour le particulier parce qu'il n'y a pas trop de déplacements. C'est intéressant pour l'entreprise puisque ils sont dans une zone de chalandise qui leur convient. En fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous arrivez à identifier l'ampleur la, des besoins qui a sur le territoire de, de la région des Pays de la Loire Chaque intercommunalité définit ses besoins. Donc à identifier euh, tous les types de, de maisons donc à, à rénover euh, avec leur antériorité de construction. Ça permet d'avoir euh, une vision assez globale. Là, on est bien sur les particuliers. Tout ce qui est logements sociaux, c'est une autre structure qui, qui s'en occupe. Mmh. Euh, et puis les bâtiments publics, euh, c'est la région directe, mais sur des sur des lignes sectorielles pour, pour pour des choses un petit peu un petit peu plus complexes en fait. Mmh. Vous me disiez que la SAM existe depuis un an. Aujourd'hui, euh, vous êtes à un premier niveau d'étape. C'est quoi les prochaines échéances pour vous C'est quoi votre ambition Il y a une dizaine d'appels d'offres qui sont lancés. On répond donc à ces appels d'offres. On ne travaille pas tout seul, évidemment, puisqu'il y a déjà des structures qui sont en place, euh, telles tel Alizé, euh, Élise, euh, voilà, j'en ai quelques-uns comme ça en tête, donc euh, qui sont déjà euh, donc, euh, sur le territoire pour avoir travaillé déjà sur la transition énergétique, donc nous venons en complément de ces structures existantes. Il n'y a pas de concurrence en fait, hein, c'est bien une complémentarité euh, de ce qui existe déjà, mais euh, avec quelque chose de plus global en fait. Aujourd'hui, vous suivez combien de dossiers une, une dizaine. Au niveau intercommunalité, qu'on était, sept Et sur les particuliers voilà, ça peut être euh, entre entre 500 et, et 1000 par territoire. Ça, ça dépend donc, euh, mais ça se va ça va se faire par étape. Hein, donc, euh, en fait, on, on identifie les, les particuliers au fur au fur et à mesure des besoins. Est-ce que vous vous êtes fixé un objectif ou pas Au maximum des des, des, des montants que l'on a mobilisé. Euh, et surtout qu'on réussisse cette transition énergétique. Donc euh, voilà, pour les particuliers, réussir à la transition énergétique, et pour les entreprises, eh bien euh, avoir du travail donc sur le long, le long terme. Alors concrètement, je suis particulier. Je peux disposer de quel niveau d'aide Alors vous allez me dire, ça va dépendre de plein de critères, euh, mais quand même. Oui, <laughs> de, de quel niveau d'aide, par exemple, je veux changer mes fenêtres, par exemple, ou mes murs. Euh, ça peut aller jusqu'à quel montant C'est en fonction de vos revenus. En ah, j'imagine que le critère principal c'est le revenu. Peut-être vous pas par grand chose, peut-être. Mais... <laughs> mais non, ça, ça, c'est forcément, c'est forcément très intéressant. Euh, on, on, on voit bien que. Euh, les, les particuliers donc euh, assez aisés ont, ont, ont déjà engagé, ont, ont déjà engagé la démarche donc par euh, voilà, des choses qui se sont bien place. là euh, euh, on s'intéresse aussi aux plus modestes puisque il n'y a pas d'avance, on n'avance pas d'argent en fait hein. on a déjà un diagnostic et donc euh, la définition des travaux euh, à, qui sont déjà organisés avant de demander le, le moins d'euros Je vous remercie d'être passé pour nous expliquer ce dispositif qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Pour moi personnellement Non, pour la santé <laughs> et, pour la, et pour la croissance verte, bien de, de continuer à vivre et puis d'être au plus proche des particuliers et des besoins. Merci. Eh bien, pour en savoir plus, on va vous mettre toutes les coordonnées qui vont bien sur, sur notre site, comme d'habitude, et on vous dit à la semaine prochaine.